Bonsoir à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Omar Da Fonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Au menu, c'est ce premier match de Final Champions. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Et oui, c'est le grand moment, ce premier match de Final Champions. On parle toujours de souffrir, des pressions, mais le football c'est surtout du plaisir, de la joie. Alors, profitons de cet instant. Le concentre là peut-être. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Je remets avec Antonio Rudiger en défense centrale. Declan Rice sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Rodman, Carlos Alberto, Rodman, Trinity Rodman, l'arbitre laisse l'avantage, Rodman, ça passe par Declan Rice, il a bien anticipé, le ballon est intercepté, Jamie Simmons. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ah oui, c'est bien joué. Oh, c'est bien défendu. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Thiago. Et non, le ballon est perdu là. Attention au pressing là. Declan Rice. Carlos Alberto. Et c'est avec Azpilicueta. Gianluca Zambrotta. Elle s'est dégagée en touche. Sophia Smith. Smith. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Superbe intervention dans la surface. Xavi Simons. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Perte de balle. Vinicius. Il y a du soutien pour Vinicius. Xavi Simons. Rodman. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Et ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Tout le monde l'avait vu dedans, la balle est venue embrasser le menton. Mais regardez, peut-être une nouvelle opportunité. Bien défendu ça. Et belle passe en profondeur. Oh, la tentative, c'est contré. Corner, et c'est donc la possibilité de faire le break. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oh là là, et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Ouais, c'est dedans, qu'est-ce qu'il est bien frappé ce pénalty. Ah, le score de Paris est de 1 partout.
Xavi Simons. Et maintenant, Federer Verde. Ah, il y a la place pour une frappe. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Vinicius. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Araujo. C'est bientôt la mi-temps dans cette rencontre et ça sera l'occasion. L'écart entre les deux équipes est minime. Leur première période est plutôt intéressante. Il faudrait juste éviter de commettre les mêmes erreurs. Avec quelques petits réglages, ça devrait aller, je pense. Il y a du monde là, quelques possibilités. Ouais, super pour mystifier l'adversaire. Ouais, une bonne charge. Il faut centrer là, là-dessus. Super progression dans la moitié adverse. Oh oui, l'intervention! Bien joué le gardien! Ah, le hors-jeu est flagrant et il est sifflé. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Gianluca Zambrotta. Passé avec Aspilicueta. Carlos Alberto. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Ah, la frappe est contrée. Et c'est donc une position de hors-jeu signalée. Araujo. Le ballon pour Thiago. Hemp. Avec Hemp. Et le bon centre là, peut-être. Eh oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Thiago. Oh, l'interception très haut sur le terrain. La frappe peut-être pour égaliser. Et voilà l'égalisation avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. Trinity Rodman. Enfin, la conclusion peut-être sur ce ballon. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Fede Valverde. Oui, ce ballon est intercepté. Il y a du soutien en attaque. Declan Rice. Thiago Alcantara reçoit le ballon. Et le ballon change de camp. Et ça joue sur Fede Valverde. Xavi Simons. Carlos Alberto.
ballon rendu à l'adversaire. La contre-attaque là, peut-être, on va voir. Vinicius, quel vaillissement pour empêcher le tir. Rodman. Et bien fait, attention à l'occasion. Bonne intervention pour éloigner le danger. Un match compliqué, mais les fans sont au rendez-vous, à but que maintenant leur suffirait plus que quelques minutes. Vamos! Félix Rodman. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et ballon perdu et récupéré là par l'adversaire. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Elle relève la tête là, peut-être un centre. Et ça joue sur Rice. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. L'arrêt vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Rodman. Ah, et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Ah, donc l'action s'arrête là. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Avec Hemp. Sophia Smith. Ah, il faut lui proposer des solutions, là. L'occasion de prendre l'avantage. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Gol, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Attention. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. L'action se poursuit dans le camp adverse. Et ça joue sur Vinicius. Excellent le geste défensif là. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Il y a de l'espace sur le côté. On le concentre là peut-être. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bon tempo pour tromper la défense. C'est la fin de ce premier match. Et déjà une victoire. C'est très encourageant. Ne t'obsessionne pas avec le passé. Ne t'inquiète pas.